Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes le 5 avril aujourd'hui. Bon, ben finalement, la saison des ninjas prend fin et on va se rejoindre pour une saison que moi je préfère, c'est la saison des Yoshi. Ben, parce que c'est mon personnage de jeu vidéo favori. Et que il y a un personnage inusité qui va être jouable. Il s'agit de Pushy. Ben, parmi les choix de sélection des personnages que j'aurais cru possible pour la série de Yoshi, eh ben j'aurais pas pensé que Pushy, j'aurais jamais pensé que Pushy aurait été un personnage un jour jouable dans les jeux de Nintendo. Ben oui. T'es beau. Ouais, Pushy. J'ai hâte de voir ça de quoi sa spécialité. Je vais aller l'acquérir que pour la hype, pour l'avoir dans ma collection. C'est quand même. Écoutez, Pushy, c'est un chien téléguidé. Ben, pourquoi j'ai qu'il est téléguidé? Parce que. Genre, il est attiré par Yoshi. Puis aide Yoshi à traverser des obstacles que lui ne peut pas traverser. Comme des pics, par exemple. Puis aussi, il peut même nager dans de la lave. Vous allez juste à lui sauter dessus. Puis il va s'en aller dans la direction où Yoshi pointe sa tête. Si sa tête pointe à gauche, il va revirer à gauche. Jusqu'à temps qu'il pogne un obstacle, vous serez obligé de sauter, sinon vous allez tomber. Pour qu'il puisse vous suivre. Parce que lui, il suit la direction que vous prenez. Gauche ou droite. Défi du printemps 2. Ok, avec des rubis, mais nice. Ok. On verra ça tantôt. On va aller voir mon résultat pour la deuxième semaine de la saison des ninjas 2023. Comme vous voyez déjà, Yoshi avec Yoshi Kagoro, pour moi, c'est big win. Le classement de la coupe finalisée. Alors, dans quelle place vous trouvez-vous? On va aller voir ça. Et il y a ça, le troisième fille, il me semble. Parce que comme que vous savez, les défis extrêmes sont débloqués pour tous ceux qui sont dans les 99 cette saison-ci. Moi, il faut déjà attendre la saison prochaine. C'est tout ce métier. Donc, ma série de victoires de Godfrey ça termine à 3 vu que j'avais pas le temps de pouvoir me rattraper. Puis en plus de ça, ben lundi matin, il y a quelqu'un qui est allé chercher 152. Mais au moins, j'ai deux fois ma SKS orange, puis deux fois le cart de Grono Mobile Or. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va me se trouver dans ce beau petit odorat-là ce matin? Un pilote. Ok. C'est qui ça? Ah ben, coudonc, c'est Bedo. Oui, ben, coudonc. Salut, bonjour. Hey, ça aurait-tu été étonnant que ça aurait été le Bedo blanc? J'aurais eu un nouveau pilote. Bon, 1, 2, 3 pour vers le niveau 6. À la fois, ça commence bien pour la saison des Yoshi. Ça y est, j'obtiens un Birdo. Dans un tuyau d'or. Ok. Donc, c'est ça. Voilà. Le résultat. Donc, allons voir ce qui s'est passé. Oui. Un joueur qui a fait un score de 60 000. Eh bien, oui, c'est possible. Avec un tenu mi-or de niveau 8. Dans le remix, je vais aller vers tombe 1 ici. Avec un cart. C'est quoi ce cart là? Je l'ai jamais vu celui-là. Auto Halloween noir, ok. Parce que quand je ne le possède pas, c'est pour ça que je dis que je. Ouais. Ok, puis on a les Wii Urine Sec A.
J'ai fait 50 000, c'est quand même super bon dans les circonstances. Moi, j'ai presque failli atteindre 50 000 en vidéo, mais ça pas. Ça... Si j'aurais fait full combo, je l'aurais eu. Sinon, ben c'est ça. Voilà. Ah, j'ai utilisé le turbo Peudon Noir au niveau 7 à 805 de points de base, alors que moi, je l'ai amené à 715. Puis il y avait Masquage Ninja au niveau 7 avec 430 de points de base. J'ai fait 46 827. Moi, je pense, dans la limite du possible, je pouvais peut-être atteindre 49. Je vous dirais aux alentours de 48-49 si j'aurais été très chanceux avec Donjon Ninja SCA. Si j'aurais maintenu mes combos jusqu'à la fin, ben j'aurais peut-être pu atteindre 49 000 avec l'aide de mes deux frénésies de bananes dans le même taux. Deux frénésies de bananes géantes et après ça, frénésie de pièces avec une étiquette d'objet qui m'a donné 43. Donc, Oli s'est fait battre par un autre joueur. Ça c'est pas été moi, c'était quelqu'un d'autre, mais en tout cas, félicitations à tout le monde. Ah oui, c'est vrai, Rivo, excusez-moi. Bon, ben, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est tous les scores que les joueurs ont fait. Là, Seigneur, c'est merveilleux. Seigneur, j'ai jamais vu ça. Oui, pratiquement presque tous les joueurs ont fait 100 000, sauf un. Donc, 16 joueurs sur 17 ont fait au-dessus de 100 000 et plus. Ce qui est très bon. Dont 12 à ou plus de 120 000. Et donc, de 8 à plus de 130 000. Et il y en a 3 qui ont fait au-dessus de 140. Dont 1 à 150. C'est merveilleux, je trouve. Et oui, il y a Draco AI qui fait 161 649. On a lui comme il dit, 149 663. Il est un petit peu à la teigne parce que je le voyais comme à 99, à 97 là, depuis un petit bout de temps. On a mon fan 5 qui complète mon top 5. Et mon top 5 de, après ça, Marcus à 125 000. Quand même, vous avez fait quand même des très bons scores, bravo. Hein, presque 10 joueurs ont fait 100, plus de 100 000. C'est nice, ça, c'est super nice, ça. Bon, ok, voilà. La célébration du printemps est en cours. Plein de choses vous attendent. Ah, ben j'ai hâte de voir ça va être quoi les choses qui nous attendent. Allons voir ça. Dans les infos, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh ben, tiens, on va pouvoir obtenir le Yoshi blanc. Je l'ai déjà au niveau 3. C'est nice, ça. Je sais pas si je l'ai à 3,5. Par contre, ça, je ne sais pas. Je m'en rappelle pas. Bon, les célébrations du printemps. Vous pouvez continuer pendant la saison des Yoshi Otegatakara. Bon, les défis du printemps 2 seront bientôt disponibles et vous permettront d'obtenir les pilotes ultra rares Yoshi blanc. Oh yes! Cette fois, ils vont nous en rajouter des tickets ultra rares, yeah! Dans la boutique, ça c'est le fun, ça. Un de chaque, ça c'est merveilleux. Après, aussi, il va y avoir les mêmes le tuyau d'or qui ne peut être actionné qu'une seule fois. Et quand c'est un pilote 4 ou L ultra rare, rajouté dans la section, yes sir! Visez le sommet du classement de la saison de Yoshi et vous pourrez obtenir Yoshi bleu et turbo Yoshi bleu ciel. Ok, ils m'ont mis bleu ciel. Excusez-moi, j'ai dit Yoshi bleu, mais j'aurais dû dire le bleu cyan. Ben. Le bleu cyan ou le bleu. Ça, c'était le bleu ciel dans le fond, là, le bleu ciel. J'aurais dit bleu pâle, mais ils l'ont nommé bleu ciel. Ok, d'accord. Super ça. J'ai hâte de voir sa spécialité. Est-ce que ça va être un œuf ou bien balle de glace? Ou peut-être, on sait pas, peut-être comme le Yoshi bleu, l'anneau de vitesse. Si vous atteignez également le haut du classement de la seconde partie de la saison, vous pourrez obtenir œuf Yoshi œuf d'or. Et parachef or et bien plus. Ok, nous allons rajouter ça en plus de ça. Si on atteint le top 3. Nice, c'est super ça. Wow. Ok. Les gens pourront obtenir le Yoshi of Dor gratis. Moi, je l'ai déjà au niveau 6. Ça va permettre. Et puis en plus de ça, Yoshi après le parachef aussi, je l'ai au niveau 6. Fait qu'ils vont tout augmenter au niveau 1 si j'atteins le top du classement. Super ça. Sur la décision de choisir Yoshi est ouverte. Ok. Donc, la carte des filles d'expert la plus difficile est à été ajoutée. Seuls ceux qui ont atteint la ligne 91 pourront tenter de le relever. Ben, pour l'instant, je suis pas à 99, je suis à 97. Si la tendance se maintient, ben, je pourrais atteindre la ligne 99 à partir de la saison prochaine. Et dans certains circuits, oui, j'avais pas marqué les œufs, mais il va y avoir des œufs colorés.
et renverser les jeux colorés pour obtenir des jetons. Puis vous pouvez collecter aussi des jetons sur la route ou bien par les boîtes à pièces. Activer sur la route. Bon, circuit de Yoshi. Ok. Le circuit île de Yoshi qui apparaît dans la saison de Yoshi de Mario Kart Tour est également disponible dans Mario Kart. Ouais, ça, je le savais déjà. C'est pas bon de le savoir. Yoshi cherche Rosé est en lumière. Le circuit île de Yoshi, circuit de la coupe classée de la première partie de la saison. Et son circuit trop favori, l'aile Biscuit Yoshi. Ah ouais, c'est ça. Certains joueurs l'ont dit dans leur documentaire dans notre trailer qu'il y avait eu le Biscuit Yoshi. Et le circuit très favori, ouais. Et ses circuits favoris, île de Yoshi et Nintendo 64 Valley Yoshi sont aussi en lumière. Ok. Les éléments de la sélection en lumière mentionnés ci-dessus sont en promotion. Le premier achat de la saison est en réduction. Ok, ouais, on, ouais, ok, d'accord, merci. Nice. Tenue Mi est en promotion de la sélection de cette saison dans la boutique Mi. Le premier achat de la saison. Ok, d'accord. Donc, le tenue Mi va être Yoshi, mais je l'ai déjà acquéri la saison dernière. Fait que j'ai pas besoin d'aller l'acheter. Je vais terminer tous les défis Premium Plus. Ok, d'accord. Ça, il nous dit à peu près la même chose pour ça. On commence à classer avec la coupe Yoshi. Après ça, c'est la coupe Baby Peach. Et on obtient ça pour la passe d'or. C'est nice, ça. Deux codes que j'avais déjà de l'an dernier. Puis ceux-là qui n'ont pas la passe d'or, ben, ils auront rubis, pièces et un tuyau vert. Ok. Bon, ben, donc, Yoshi. Ouais, le Yoshi chasse aux yeux va être en promotion à 30% à la boutique. Célébrer la saison de Yoshi avec la flèche souriante. Oh, yes, sir, nice, ça. Ils ont mis ça comme nouvelle aile, puis on a aussi en réduction sur le premier achat de d'une saison. Voici les biscuits Yoshi. Oh, c'est beau, ça. Avec oh, c'est pas pire pour tout, ça, comme elle. Puis le costume de la plante piranha. Version, on pourrait dire quasiment 8 bits, là. 8 bits, mais version hit de Yoshi. Ouais, puis récupérer des jetons. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui nous réserve la boutique? J'ai pas vu Pushy. Probablement qu'il va être là la semaine prochaine. Si on l'a pas vu là. Là, ici, on a le nouveau kart célébré avec le kart Lef Cote-Cote. Cote-Cote. Avec une mini turbo plus. Ok. Oh, quand même. On a île de Yoshi SIA. Des ailes de Yoshi. Lagbo SIA, Park Baby et Cookie Arena. Oh non, pourquoi ils m'ont mis Park Baby à. Non, pourquoi? Pourquoi ils m'ont mis ce circuit-là? Non, mais c'est plate ça! Avec les circuits débloqués, ce compte. C'était sûr que le circuit de Yoshi de la version GameCube allait être là, ça c'était sûr. Ça m'étonne qu'ils aient mis Lagbo par contre, ça c'est surprenant. Ah, peut-être à cause de la plante piranha probablement qu'ils l'ont mis. Bon, ok, puis c'est le circuit favori. Et on a la belle fleur ici, wow! Célébrer la saison de Yoshi avec la fleur souriante. Ah, puis que banane. Oh, il y a ça, spécialité de banane plus. Nice. Ok, 5 circuits favoris, 6 incluant le cookie arena. Wow, c'est bien beau ça, regardez ça, une belle fleur souriante, wow! Ok, donc on a Il Choco 1A. Hein, quand je vous parlais de Il Choco, si ça apparaît, ben c'est bon pour moi parce que justement, les trépides de rose, je pense 12 circuits, je crois, de cette variante-là. Donc, Île de Yoshi, SIA, Desert Yoshi, Cookie Arena, Riverside Park. Oh, il y a deux variantes de l'île de Yoshi. Nice, super. Puis, pour débloquer l'île de Yoshi A au niveau 6. Puis, au niveau 8, île de Yoshi SIA. Wow! Hey! Ça, cette île-là, là, ok, est vraiment bonne pour toutes les variantes. Pour toutes les variantes du nouveau circuit, et ça, c'est merveilleux, ça.
Hey, Seigneur, une aide, je sais pas si c'est la première fois que ça l'arrive, mais en tout cas, Seigneur, ça fait la première fois que je vois ça, moi. Une aile, lorsque tu débloques des nouveaux circuits ultra favoris, ben, toutes les variantes s'y trouvent du même circuit. Pour que quelqu'un, un nouveau circuit arrive, ben, genre, il pourra obtenir toutes ces variantes. Et ça, c'est merveilleux. Hein, il pourra obtenir toutes ces variantes. Wow! C'est le circuit favori pour commencer. 70, 150, comme d'habitude. Et c'est tout. Bon. Yoshi Chachosa a obtenu un nouveau circuit 3 favoris. Il s'agit des hits de Yoshi. Oui, puis il n'y a pas vraiment de circuit. Fait que je ne suggère pas de l'acquérir parce que, genre, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à part peut-être valider de Yoshi. Circuit de Yoshi de la version GameCube, là, il n'y a pas grand chose dans ces circuits ultra favoris. Oui, il y a peut-être le Amsterdam 3, mais bon, c'est pas. C'est juste un détail. Il a retenu aussi Hit de Yoshi. Attends, dans les circuits favoris, attends, il a tenu Hit de Yoshi. Il a tenu Hit de Yoshi, SIA, puis il a tenu Désert Yoshi A. Ok. Puis nous avons. Ben, les fameux L Biscuit Yoshi. Ouh, salut, wahoo! Ah, ils ont mis ça en Mega Chumpy. Ok. Bon. Un peu comme un champion, un hop. Bon, Il Choco 1, Valley Yoshi SIA, Sakri Yoshi SI, Lucarena, Desert Yoshi A, Valley Yoshi SIA. Ce sont les 6 circuits ultra favoris pour commencer pour ce thème. Avec les circuits favoris débloqués si compte. Hein, il y a Riverside Park aussi. Ok. Bon, dans ma boutique en lumière aujourd'hui, on a la Flora Piranha. Il y a Maskash Ninja, le Birdo Blanc, Luigi Sa, Daisy Costume Marin, Dr. Mario. Regardez ça, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a l'intérépide 2 beige. Ok, wow. Est-ce qu'il a obtenu de quoi celui-là? Ah, il a quand même obtenu deux nouveaux circuits. Il a valé Yoshi SIA. Non, peut-être qu'il l'avait déjà. Et de Yoshi SIA qu'il a obtenu. Ok, nice. Les circuits favoris. Il a obtenu Hit de Yoshi. Ok, super. Oh. Wow. Il y a Chandelle Gâteau qui apparaît. Non, il n'a rien obtenu. Ok, comme circuit très favori. Par contre, il a obtenu Hit de Yoshi comme circuit favori. Ok. Il y a même le Comptel. T'as une aile qui est quand même payante. Elle, étoile noire. Lui, il a obtenu quelque chose. Il a obtenu des airs de Yoshi. Ok. Il a tenu un, deux circuits favoris, Hit de Yoshi A et Desert Yoshi SI. Puis ici, on a l'intrépide 2 bleu ciel. Ok. Oh boy, lui, il a tenu deux circuits favoris, Hit de Yoshi et Hit de Yoshi A. Ok. Super. Et Valley, eh bien, Hit de Yoshi SIA qui a obtenu comme nouveau circuit. Comme circuit favori. Ok. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu celui-là. Il a tenu une sec ici lors de la saison précédente. Il n'y a rien eu. Et lui ici. Ah, il a tenu Desert Yoshi ici. Ok, super ça. Et Desert Yoshi A comme circuit favori. Ok, nice. Ensuite, nous avons la tenue Mi Plan Piranha qui apparaît. Adorable, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça, oui. Ok, 4 circuits favoris, 3 favoris pour commencer. Circuit Yoshi SIA, Il Choco 1, Valley Yoshi SIA et Hit de Yoshi SI. Avec les circuits 3 favoris débloqués 6 comptes.
Avec 5 circuits favoris. Et bon, comme ils l'ont annoncé, tenue Miyushi qui est à rabais dans la sélection. On a la tenue de Pocky de la saison précédente. Il y a le Merlion, qui est quand même logique vu qu'il y a une course de désert. D'après moi, il doit avoir obtenu quelque chose. Non. Moi, je vois juste Lagbu. Valet Yoshi SIA. Bon, il y en a tenu deux. Ok. Lagbu A comme circuit favori. Bon, il n'a pas tenu grand chose. Il y a le tenu Frère Marteau, Gomba, Bowser Squelette. Oui, c'est ça. Rose Harmony, tenue mi-blanc, Carotin. Ok. Dans la boutique à jetons, on a ça avec le ballon Yoshi Yuhu. Avec des ailes de capacité de 3, un de chaque. Yeah. On a 2500 ici. 15 sur rubis. Un sur odeur gratuit. Puis 34 tiers de tuyau. Avec 5 tickets presto. Ok, super. Et dans ma sélection du jour, qu'est-ce que j'ai? Ah ben écoute, mon retour est réapparu. Pour une deuxième journée de suite. Bon, ok. C'est ça. Oh yes! Deux tickets du trahor de pilote qui est apparu, youpi, c'est la joie. Yay! Yeah. Puis j'ai un ticket de limite de points de carte du trahor aussi. Bon, maintenant on voit les défis qu'on nous réserve. Donc, collecter un total de 100 pièces dans les courses et batailles. Effectuer 30 figures. Faites mouche 30 fois avec une banane. Effectuer 20 départs turbo. Activer 10 fois le mode frénésie. Renverser 100 fois vos adversaires. 200 fois. Et 300 fois. OK. OK. Puis pour là, ici, réaliser 50 figures. Faites mouche 3 fois avec une bobombe. Obtenez 5 fois la mention excellent en réalisant un combo. Et en passant, le badge qui apparaît lorsque vous passerez à travers les 14 jours de la saison, ben je l'ai eu déjà. Obtenez un objet de la saison du jour dans la boutique. Décrochez au moins 30. Décrochez la troisième place 30 fois. Envoyez un avancé pendant qu'il plane. Planer sur une distance totale de 5000 mètres, renverser vos adversaires avec un Mega Champi et puis avec le badge du Mega Champi. C'est le Wild Yoshi qui est là. Probablement l'or ou le bleu, je sais pas. Concourir sur tous les circuits de toutes les coupes, y compris les épreuves bonus. Et pour 5 rubis, dans les défis de saison multijoueur pour compléter cette carte, effectuer 10. Figure en mode multijoueur. Fait que tu fais 3 départs turbo en mode multijoueur. Faites mouche 3 fois avec une carapace verte en mode multijoueur. Jouez 3 fois au mode multijoueur. 5, 10. Décrochez au moins la 3ème place en mode multijoueur. 3 fois. Puis 5. Là, c'est rendu des tickets de pilote qu'on peut obtenir ici. De capacité ou de limite de points. Ben, et de limite de points. On a un défi or pour 5 rubis pour compléter la carte. Effectuez un combo x 30 ou plus. Faites mouche 15 fois avec une banane. Décochez la première place 3 fois de suite. En catégorie sensation supérieure, ok. Utilisez un ticket de limite de points. Obtenez un score d'au moins 5000 avec un pilote tirant la langue. Ben là, on sait tout que c'est Yoshi. Renversez 3 fois vos adversaires pendant un vol plané.
utiliser un éclair. Ben, il peut avoir aussi Pushy, je pense aussi, les affrontes devraient compter. Obtenir un score d'au moins 20 000 dans la coupe de Bito, sauf qu'il n'est toujours pas présent pour le moment. Envoyer des pièces de l'amitié à un ami. Le défi expert qui revient. Puis on obtient ça comme badge quand on complète. Obtenir un score total d'au moins 450 000 dans une saison, ça va être facile à faire pour moi. Obtenir un score d'au moins 22 000 sur un circuit A ou SIA. Réaliser un combo complet 30 fois. Ce ne sera pas difficile à faire. Faites-moi 5 fois avec une carapace à épines. Fait que c'est 50 fois un combo x 100 ou plus. Renversez 10 fois vos adversaires pendant une frénésie. Obtenez 3500 fois la mention excellent en aidant un combo. Puis lui explique que ça va être long. Renversez 2800 fois vos adversaires. Surtout avec les bananes, ça va vite. Hein? Surtout quand c'est des frénésies bananes aussi. Ou frénésies de bananes géantes. Ça va vite. Décrocher 30 fois la première place en mode mondial. Ok. C'est ça qui je trouve qui est long. Ok. C'est sûr que là, j'ai pas débloqué le défi extrême parce qu'il faut avant que j'ai terminé cette carte-là avant. Il me reste encore deux lignes pour avoir 300 rubis. Bon, ensuite, pour les défis premium, qu'est-ce qu'on a? Faites-moi 5 fois avec une carapace verte. Faites-moi 5 fois avec une banane. Faites-moi 3 fois avec un bonbon. Pour 3000 pièces, réalisez 20 figures. Dans le sens, c'est toujours la même chose, débuter une saison. On débloque ça automatiquement. Effectuez 50 000 turbo. Décrochez 3 fois la première place, 5 et 10. Bon, ben, ici, vous savez, c'est décrocher 5 fois la première place, 10 et 15. L'autre, c'est 10, 15, 20, comme d'habitude. Faites-moi 10 fois avec une carapace verte. Faites-moi 10 fois avec une banane. C'est pour 5000 pièces, utilisez 10 fois un champi turbo. Réalisez 50 figures. Et pour l'étiquette de limite de points de carte, effectuez 100 mini turbo. Ok. Défi premium plus. Faites-moi 10 fois avec une carapace rouge. Pour 10 000 pièces, faites-moi 20 fois avec une banane. Faites-moi 5 fois avec un bobon. Ah, j'ai pas vu ça. Ils ont changé les défis premium. Ah, non, okay, c'est bon, c'est correct, j'ai rien dit. Bon, qui okay, réalisez 100 figures. Effectuez 150 mètres turbo, puisque je vous ai déjà expliqué pour le défi premium plus, qu'est-ce que c'était. Maintenant, là, on voit maintenant les cadeaux des saisons. Qu'est-ce qu'on obtient? Oui, c'est des tickets de carte à la fin, là, deux fois. Donc, on a 100 récompenses. Avec la passe d'or, l'œuf automobile d'or que j'ai déjà. Non, on rajoute aucun circuit trop favori pour lui. Non, il n'y a rien qui a été ajouté. Absolument rien. Et nous avons aussi l'œuf d'or. Avec beaucoup de circuits de Yoshi et d'El Choco 1. Rien qui est ajouté non plus. Ok. Un tuyau d'or, deux tuyaux d'or. Deux fois les étiquettes ultra rares de capacité de chaque. Après ça, nous avons les ultra rares. Les deux en bonus à la fin. Pour les cartes. Bon, je pense que ça conclut les... On va aller voir dans le mode multijoueur s'il n'y a pas quelque chose qui est ajouté. Non, il n'y a pas le défi pour du scout. Ok, c'est bon. Donc, on va aller ici. Avec le tenue Miyoshi pour aujourd'hui.
Ah, c'est recueil qui est apparu. OK. Quand même, l'aile fleurie, là, c'est lui qui c'est l'aile qui va être le plus payant cette saison-ci en cause du nouveau circuit. Ah, il y a toutes ces variantes là en débloquant tous les circuits trop favoris jusqu'au niveau 8. Ah, imaginez-vous donc. Mais malheureusement, j'ai pas assez de tickets d'aile pour pouvoir y parvenir. Bon, OK, ben ça va être tout pour le moment. Nous nous rejoindrons pour. Oh, il y a plein de données de 2. Yes, sir! On va se rejoindre pour le classement hebdomadaire.